sont les nôtres? On évalue les cibles, monsieur. C'est 70-30. Nos unités sont sur zone? Oui, monsieur. La cible est un objectif de priorité 4. On essaye de confirmer son identité. Oui, monsieur. Ils sont en position. Zeus, on a un visuel. Les otages sont sur le bateau, prêts à faire feu. Pour l'instant, on les suit. On n'a pas l'autorisation de tir. En attente. Je répète. On n'a pas l'autorisation de tir. Bien reçu, Zeus. Ici Rampage, en stand-by. Hey, Air Force, comment va ma sniper préférée de l'équipe Falcon? Vous voulez dire Tier Force, monsieur? Avec tout le respect que je vous dois, on a passé les 4 derniers mois à griller 1000 cartouches par semaine. Ça commence à faire long. Et il me semble que chacun a fait sa part. Alors tu vas te faire foutre, Cervantes. Non merci, Tier Force. Falcon en position, Zeus. Mon doigt rêve de se faire ses enfoirés. Merci pour la balade, Air Force. Ouais, ça me va aussi. Suicide. Rapport de situation. Suicide en position. On les a en visuel. Et il y a un cheval blanc. Ça porte malheur. Ça va être un putain de carnage. Stand-by, Pegasus. Terminé. C'est l'exécuteur. La paire de lunettes et la cartouchière. Ça va pas tarder. La mort de ces citoyens américains est la conséquence directe des crimes de l'Amérique. Le sang réclame le sang. Les otages sont américains, monsieur. On les élimine. Autorisation de tirer. Zeus, ici commandement. Autorisation de tirer. Zeus, bien reçu. On a l'autorisation de tirer, je répète, on a l'autorisation de tirer. Rampage, à vous de jouer. Vous initiez le contact et on vous suit. J'ai besoin d'un coup de temps. Un petit coup de temps. Il y a un enfant dans le groupe. Regardez. Non, c'est pas vrai. C'est le gosse qui va décapiter le premier. Rampage, fume-moi ces enfoirés. Rampage, ouvrez le feu, maintenant. Allez, tire, putain! Ça tarde trop. Je répète, ça tarde trop. Falcon demande autorisation d'initier le contact. Rampage, ouvrez le feu. Est-ce que vous recevez, Rampage? Allez, tire! Feu à volonté. Un attache à terre, monsieur. Où est Pegasus? Ils sont là dans 2 minutes. Envoyez des renforts.
plusieurs cibles en fuite. Ils prennent le relais. Un médecin de Colorado Springs, qui fournissait des soins dans des villages qui n'avaient pas vu un médecin depuis 10 ans. Les oiseaux sont là. Tout le monde évacue. Arthur, je peux vous dire un mot? Vous avez hésité. Parce que vous avez laissé vos sentiments prendre le dessus. Vous voulez en parler? Je l'aurai la prochaine fois. Il n'y a pas de prochaine fois dans ce boulot. On a la cible qu'une fois dans son viseur. Et on ne se plante qu'une fois. C'est clair? Ouais. Ça reste des coins de merde où la seule manière de se détendre, c'est de décapiter des gens. Hé, on peut éviter. Et Rojas, tu veux pas dire à ton petit copain de la fermer? Ex-petit copain. C'est obsessionnel, mais c'est fini. Hé, t'en prends pas à moi, Junior. C'est toi qui as fait ton froc. Pourquoi tu fous la merde? C'est carrément con. Quoi?
qu'on a assez d'emmerdes comme ça, il faut qu'on se batte entre nous. La baston, ça me fait mouiller. La laisse pas te marcher dessus. S'il m'appelle à nouveau Junior, Roaz va devoir se trouver un autre guetteur. Hank se ferait pas de mal à une mouche. Ignore-la. Tu veux pas me dire ce qu'il te bouffe? Elle a raison, Angst. J'étais paralysé quand j'ai vu ce gamin dans mon viseur. Ouais. Et si je veux trouver ma place dans Staff, il faut pas que je le fasse à moitié. Accepte l'idée que le monde est merdique. C'est ça, être marine. Ça va passer. T'es sûr, parce que je suis là si t'as besoin de moi. Ok, merci, mais laisse-moi une minute. Comme tu veux. J'avais suivi jusqu'ici. Va falloir me sortir le grand jeu. Je me mets pas la pression. Alors, qu'est-ce qui vous amène à Istanbul? Sérieux? C'est tout ce que vous avez trouvé? Excusez-moi, c'est juste que ça fait un moment que j'ai pas vu d'aussi jolie femme. Mieux? Des jours. Aujourd'hui, je suis ici, la semaine prochaine, j'en sais rien. Militaire? C'est évident. Je vous imagine pas dans l'armée, en tout cas pas dans la Navy ou dans l'Air Force. Il reste qu'un choix. Garde-côte? Je suis prêt à devenir pirate d'eau douce si je peux vous raccompagner à votre hôtel. Artilleur. Bidouet. On déjeune sur une péniche. Rive gauche, près du pont. Dans 20 minutes.
Monde de dingue, hein? Qu'est-ce que vous faites là? Quelqu'un a mis un contrat sur ta tête quand tu as quitté la Syrie. 150 000 euros si tu rentres dans un sac en plastique. L'info est tombée sur mon bureau et je suis venu faire un peu de ménage. Eh? C'est réglé pour l'instant, mais il y en viendra d'autres. La Syrie. Un putain de pays de dingue, hein? C'est comme ça partout. Vous allez m'en parler, c'est ça? Miller m'a briefé. Je me suis planté. J'ai flingué toute l'opération. Miller m'aurait déjà foutu à la porte s'il n'y avait pas mon père. T'as eu de ses nouvelles? Non, comme d'hab, il est introuvable. T'as un talent inné. Si t'as besoin d'un peu de temps, on peut t'en laisser. Je vais très bien. Tu t'es planté en Syrie. C'était qu'un gamin. Écoute bien ce que je vais te dire. Le boulot qu'on fait ne plairait pas à Dieu. Parce qu'on fait des trucs qu'il n'oserait pas faire. Il n'y a ni épître ni verset qui nous aidera à dormir la nuit. Est-ce qu'on est moralement défendable? Probablement pas. Est-ce qu'on est nécessaire? Sans le moindre putain de doute! C'est ça, notre boulot. Il faut vivre avec le souvenir de ce qu'on a fait. Donc il n'y a pas de rédemption pour les gens comme nous? J'ai hésité. Il faut que tu réussisses à faire taire tes sentiments. T'as une conscience. On ne te le reproche pas. Mais ne laisse pas l'imperfection devenir l'ennemi du bien. C'est dur de vivre quand on a regardé à travers un viseur. Qu'on a appuyé sur la détente. La vie et la mort. Le blanc et le noir. Il faut que tu trouves tes propres nuances. Retourne bosser. Major Bidwell, comment ça va? Comme ci, comme ça. Les autres, vous avez l'air ivre. On y travaillait quand vous nous avez appelés. Miller n'est pas là? Vous n'êtes pas la seule équipe de terrain. Donc je suppose que vous n'avez pas encore lu le rapport du briefing. Non, parce qu'on compte sur votre gentillesse pour nous mettre en parfum. On nous a chargé d'assurer la protection de plusieurs sites du gazoduc transgéorgien, qui transporte du gaz naturel de Géorgie, par la mer Noire, jusqu'en Europe de l'Est et au-delà. Ça fait un sacré territoire à couvrir. Avec tout le respect que je vous dois, c'est un boulot de mercenaire, ça. Faites attention, Air Force. Vous êtes intégré dans les marines par courtoisie. C'est clair? Très clair, monsieur. Colonel, merci de votre patience. Ça va? Non, c'était très instructif. Je vois que tout le monde est là. Je m'appelle Robin Slater, bureau des opérations conjointes militaires et civiles. Le colonel Sergei Babayev sera votre agent de liaison avec l'armée géorgienne. On nous a chargé d'assurer la sécurité du gazoduc transgéorgien, protégé en grande partie par les forces armées locales et même par des forces de police. Cependant, une série d'incidents récents dans les zones de construction nécessite une réponse plus adaptée. En Géorgie, près de Tbilissi, sont impliqués des rebelles locaux ainsi que des éléments radicaux venant d'Afghanistan et d'Irak. C'est la raison pour laquelle on a décidé de faire intervenir votre équipe. On parle de quel genre d'incident? Des attaques de snipers visant des administrateurs ou du personnel technique. Des bombes placées à des points stratégiques des infrastructures. Oui, là, justement. À Tbilissi, en Géorgie, au sud de la Tchétchénie, près de la frontière nord de la Turquie et de l'Arménie. Un coin très mal fréquenté. Nos services de renseignement attribuent ces attaques à un militant afghan. Roshan Gazakov, alias Abu Abdullah, entraîné par les services secrets britanniques. Encore un djihadiste qu'on a formé. Le mania autrichien de l'énergie Kilian Grün a prévu de faire une halte dans une station de pompage gazier qui se trouve près de Tbilissi, après-demain. Il rencontrera des chefs locaux pour régler des litiges territoriaux. Votre mission? Assurer la surveillance et éliminer les snipers ennemis avec l'aide de notre œil dans le ciel.
Kazakov prépare ça depuis longtemps. Il a dissimulé son vrai visage pendant des années, à l'époque où il a été formé. Et il veut du sang. Ce type n'est pas un amateur. Vous aurez des supports aériens pour vous épauler. Quel genre, des drones? Oui, le MQ-1 Predator sera votre œil dans le ciel. Le marteau de Dieu. Je pourrais le piloter depuis le QG opération des forces conjointes ici en Turquie. Ah, c'est là que je descends. Je ne vous perdrai pas de vue. Cervantes. Colonel. Votre coupe de cheveux. À vos ordres. Fais attention à toi, d'accord? On se voit pour la prochaine mission. Trouve tes propres nuances. Hey. Vous m'en voulez pas trop? Non, à la condition que vous m'en disiez un peu plus sur la raison de votre présence ici. Je pourrais vous poser la même question. On garde ça pour plus tard. Bonjour, Georgie. Suffire à protéger tout le site. Ne vous inquiétez pas pour mes équipes. Comment va notre œil dans le ciel? Il est parfaitement opérationnel. Et assez intelligent pour distinguer les amis des ennemis? Suffisamment pour nous dire sur quelle pierre vos gars ont pissé. Bien, votre attention s'il vous plaît. Je veux 3 prédateurs dans le ciel pour surveiller Kilian Grün dès lors qu'il arrivera sur le site. Oui, colonel. Je vous fais confiance. Oui, monsieur. Il sera sur la zone dans 90 minutes. Ok, écoutez-moi. On va bien se marrer. Voilà ce que vous devez savoir sur le colis à protéger. Kilian Grün, milliardaire autrichien. C'est lui qui doit s'assurer que l'Europe de l'Ouest n'ait pas à rationner le gaz venant d'Ukraine. C'est donc l'homme à éliminer si on veut frapper un grand coup. Oh, pardon. Il voyage avec des gardes du corps de Blackwater qui sont lourdement armés dans des véhicules blindés. Il sera là à 19h ce soir. Il doit rencontrer des chefs locaux pour solder des affaires de droits territoriaux. On devra le protéger pendant 2 heures. Ok, on l'a pigé. On a un petit plein aux as et il faut pas qu'il crève. On va manger de la bouse. Les yeux sur les 3 axes. Je sens ces enfoirés à plein nez. Rampage, secteur bleu. Rien à signaler, aucun mouvement. Falcon, secteur blanc. Suicide, secteur vert. Cortège à 1 km. Suicide, le colis vient de passer à 6h. J'ai rien en visuel. On s'emmerde. Reste concentré. Aucun indicateur de cible dans la zone. RAS. Attendez, j'ai un reflet. Quel reflet? Qu'est-ce qui se passe? On a besoin d'infos. Parlez. Je
touché. Je répète, Rocha a été touché. Un contact, position inconnue. Falcon, parle-moi. Qu'est-ce qui se passe là-dehors? Falcon, faites-moi un rapport. Un groupe ennemi à 2 heures. Trouve-moi cette putain de cible. J'ai rien du tout, putain. Où est-ce qu'ils sont, bordel de merde? Où sont mes drones? Mesdames et messieurs, nous avons des marines sous le feu ennemi. Ils ont besoin de vous. Trouvez-moi une cible. Oui, monsieur. Signature thermique inconnue. Position ennemie potentielle. Ça pourrait être un éco-satellite. Je confirme. Homme à terre, j'ai un homme à terre. On va resserrer sur la zone. On zoom à 500%. C'est fumier, son arme. On arme le missile. Cible verrouillée. Vous y allez, moi. Page, quel est votre statut? Ok, Aurélia. Hey. Page, quel est votre statut? Encore pour le confirmer, on doit supposer que Kazakov est toujours en vie. Chemise en cuivre, c'est 14,5 mm anti-char. Ça vous fera un souvenir. Un tir impossible. Comment ils ont pu nous localiser? Aurora s'était dissimulée? Et pourtant, il l'a eu. Personne n'est aussi bon. Il n'y a aucun blessé dans votre camp, colonel. Faites attention à ce que vous dites. Aurora était une des meilleures pour se dissimuler. C'était un tir impossible. Qu'est-ce que vous sous-entendez exactement? Je ne sous-entends pas. Je l'affirme. Vous ou quelqu'un de votre équipe a donné nos coordonnées à Kazakov. On se calme. La discipline dans votre équipe laisse fortement à désirer, Major. C'est mon boulot, colonel. Vous oubliez peut-être qu'on a 3 des nôtres dans des sacs plastiques? Non, je n'oublie pas, et vous n'oubliez pas à qui vous vous adressez. Les morts ne vous intéressent que quand ils sont américains! Et vous l'avez tué! Non, Arthur, ça suffit! Ça suffit! J'en ai marre de vos comportements indignes de l'uniforme que vous portez! Honneur, courage et engagement. Vous êtes des Marines. Agissez comme tels. Bienvenue à Pamiranay. Vous avez dû sacrément merder pour qu'on vous envoie ici. Le secteur du gazoduc transgéorgien, officiellement zone pacifiée.
Merci pour le compliment. Vous avez que ce manteau de merde? On est à 4000 mètres. Sérieux, il va vous falloir un meilleur manteau. Depuis quand vous n'êtes plus russe, au fait? L'année où je suis né, 1991. Vous faites quoi comme boulot exactement? Moi je suis le genre touche à tout. Mais pour vous, je suis votre nouveau guetteur. On va voir ça. Ici ne parlait que russe sur les patois locaux. Ils n'aiment pas les étrangers. Je connais ces montagnards mieux que personne. C'est le gazette. Il vous souhaite la bienvenue dans notre pays. Sergent artilleur Brandon Beckett, monsieur. Axel. Et si on se calmait? Vous serez bientôt roi Courdon. Il restera plus que vous et moi. Vous êtes prêt pour un peu d'action? Ouais. Bien. Хорошо, красиво сработали, ребята. Молодцы. Молодцы, ребята. Будем здоровы. Ce type s'en est pris un colonel géorgien. La subordination. C'est ce que le rapport disait. Pourquoi? Je pense que lui ou un de ses subordonnés est un traître. Qui renseigne les rebelles en secret. Vous pensez? Le sniper ennemi a repéré notre position exacte, alors qu'on était camouflés. J'ai perdu deux bons amis. Et aucun mort du côté des Géorgiens. Ce que vous poursuivez, c'est bien plus qu'un seul homme. Il y a bien plus en jeu. Je vous suggérerais de collecter des preuves plus solides avant de proférer ce genre d'accusation. Ça va être difficile de le faire en étant à pas loin de 2000 km. Oui. C'est la vieille technique soviétique qui consiste à régler un problème en faisant taire les gens. Mais ce sniper rebelle, lui, il pourrait vous dire la vérité. Ouais. Je suis très sérieux. L'information est toujours meilleure prise à la source. Donc je dois simplement demander à Gazakov. En lui proposant une chose de valeur. En échange de la vérité. Ça va trop vite pour vous, la Merloc? Non, ça va. La prochaine fois, vous y réfléchirez peut-être à deux fois avant d'agresser un officier supérieur. Ah, la montagne, c'est bon pour la circulation du sang, hein? Où est-ce qu'on va, en fait? Au centre d'écoute. Des tas d'informations sensibles y passent, comme la taille des troupes ennemies, leurs mouvements ou leurs coordonnées. Si on ne fait pas de patrouille régulière, les voleurs tchétchènes finissent par tout nous piquer. Ils ne savent pas que toutes les données sont cryptées et protégées. C'est impossible de les craquer. Qu'est-ce qu'on fait? On les abat. On les abat? Oui, la Merloc. On les abat. Mais ce ne sont que des voleurs. Des voleurs tchétchènes, c'est pas exactement la même chose. Vous proposez de faire quoi, sinon?
Les arrêter. Ah. Les arrêter, genre... John McClane, dans Piège de cristal? À peu de choses près. Eh bien, montrez-nous comment font les gens civilisés. Démocratiquement. Prêtez-moi votre... Vas-y aussi. Allez. Yippie-ki-yay, enfoiré la Merloc. Aidez-moi, par pitié. Ne faites pas ça! Votre père, Thomas Beckett, ne m'est pas étranger. À une autre époque, une autre guerre. Nous étions adversaires, cela dit. Nous faisions face comme de véritables ennemis. En Amérique du Sud. Inconsciemment, on a tout fait pour éviter de s'entretuer. Et pour mes efforts héroïques dans la jungle du Nicaragua, on m'a récompensé en m'offrant 3 campagnes en territoire tchétchène. Vous voulez tester votre courage? Battez-vous avec un tchétchène. Avant la Tchétchénie, j'étais un soldat comme tous les autres. Mais tout a changé le 25 décembre 1995. Le jour de Noël dans votre calendrier. Notre unité a été affectée au support des troupes. Pour tenir la frontière ingouche, un grand nombre de conscrits avaient déserté et certains d'entre eux avaient rejoint les rebelles. Impossible de distinguer les amis des ennemis. La brigade s'est arrêtée dans une zone urbaine. Ça semblait sûr. Ma position était solide. C'est mon guetteur Yuri qui l'a vu le premier, bien sûr. Il m'a dit Andrei. Le gamin porte quelque chose sous son manteau. Alors je l'ai visé. Il n'avait pas plus de 10 ans. Est-ce que c'était une miche de pain qu'il avait sous son manteau? Non. C'était une bombe. Fabriquée à partir d'une ogive de mortier. Mon humanité me disait... Cette bombe, il a dû la trouver par hasard. Et il veut seulement la rendre aux soldats. Chaque sniper hésite une fois. Mais une fois seulement. Les montagnes du Caucase en plein hiver. Vous
Vous imaginez les possibilités en termes de vacances? Eh ben, si ça peut vous consoler, il fait 40 degrés ici. Et à l'ombre. Je vois pas ce qui pourrait me consoler. Au fait, le type qu'on a sauté sur la crête, on sait que c'était pas Gazakov. Mais on sait que c'était son beau-frère. Vous êtes sûr? Ouais, on a ses restes. Et on va se déplacer ce soir. On doit longer le gazoduc vers la mer. On va faire un peu de reconnaissance pour s'assurer que ce qui s'est passé ici ne se refroidisse pas. Du nouveau sur Babayev? Non, on a fait des recherches approfondies. Il est clean. Faites votre temps de probation, artilleur. Baissez la tête et on se revoit bientôt. Qu'un battra un russe dans un sport de montagne. En 1980, au hockey. Coup de bol. 2014, à Sochi. En skatepark féminin, les États-Unis ont raflé l'or et le bronze. En skatepark? Soyons sérieux. Comment ça se fait qu'un ancien officier russe qui a servi dans les Spetsnaz finisse comme agent de sécurité pour un consortium euro-asiatique de l'énergie? Vous avez la moindre idée de ce que ces entreprises paient pour des mercenaires privés? Comme Bonavisil, ce qui travaille pour Blackwater. Les forces spéciales russes aussi doivent penser à assurer leur confort. Vous devriez essayer, et en plus on mène une vie normale. Vous trouvez que c'est normal? Comparé à ce que j'ai vécu, oui, la Merlock, ça, c'est normal. Pas de famille, pas d'enfants. Peu de gens choisissent ce destin-là. Mais après le premier mort, ou peut-être le deuxième, on est un sniper et rien d'autre. Il faut être déterminé et ne pas hésiter. Et abandonner son humanité. Magnifique, n'est-ce pas? Я же тебя сначала шлепну туда. А не гори. Саид! Еще одна! Вон там, за камнем. À vous voir, on jurerait que vous aimez ça. On vit ou on meurt. Trouvez-vous un abri. On y va! Огонь на поражение! Возьми восточный спуск. Ils veulent qu'on croit. Ils font ce pour quoi on les a entraînés. Nous mettre sous pression.
Ça marche. Relax. Ils seront bientôt là. Trouve-moi ce sniper, Saïd. Vers 11h, il y a quelque chose qui a bougé dans la neige, tu l'as vu? Non, j'ai rien vu du tout. Tuer un homme, terroriser un millier. Prêt pour les réjouissances?
quel moment Saïd a décidé de les aider? Il y a un mois, peut-être hier ou il y a 10 minutes, ça fait aucune différence. Il est mort parce qu'il l'a fait. Quoi? Est-ce que vous avez hésité avant de tirer sur cette pourriture de traître? Qu'est-ce qu'ils font là? L'œil dans le ciel! On a fini. Leçon terminée. Évacuez-le. Ramenez-le dans le merdier. À vos ordres, colonel. Votre contact est dans notre base d'opération. Il va vous conduire à Kazakov lui-même. Vous avez une chance infime et une seule qu'il vous fournisse l'information que vous cherchez. Et quoi qu'il arrive, vous avez 36 heures avant de devoir faire votre rapport officiel à votre major à la station de gaz de Batumi. Bonne chasse. Je cherche Mother Shed. Vous l'avez trouvé. C'est Zotov qui m'envoie. Il m'a dit que vous pourriez... vous aider? Ouais. Il m'a parlé de vous. Vous êtes un cow-boy et vous voulez Kazakov. Ouais, c'est ça. Zotov m'a dit que vous pourriez me mener à lui. C'est du suicide. Vous pouvez ou vous ne pouvez pas? Disons que je peux vous aider à le débusquer. Et ensuite? Vous allez lui demander qui était sa source? C'est toujours un début. Je vais lui proposer un échange contre son beau-frère, le mari de sa sœur qui était habile ici. Oui, et qu'on a réduit en miettes. À votre avis, qu'est-ce qu'il m'offrira en échange des restes de son beau-frère? Une décapitation en bonne et due forme. Je suis prêt à courir le risque. D'homme à homme, ça vaut le coup. Sûrement pas. C'est votre avis, pas le mien. On me paye parce que généralement il est juste. Vous pouvez me trouver ces restes ou pas? Il faut que je parte à l'aube. Alors je crois qu'il vaut mieux éviter de perdre du temps. Qu'est-ce que c'est? Ce que vous êtes venu me demander. Quand j'ai parlé à Zotov, j'ai su que ça finirait comme ça. C'est tout ce qui reste de lui? Après un tir direct par un missile Hellfire, oui. Ouais. On partira à l'aube. Pour le gazoduc. Vous avez entendu? Non, rien. Drone MQ-1 Predator. Des cheese avant de finir dans une boîte à cigares. On a plusieurs signatures thermiques. Appelez le colonel, j'ai quelque chose. Officiellement, je suis géologue. Géologue? Le pétrole et le gaz font tourner le monde, mon ami. Le gazoduc transgéorgien est l'un des enjeux les plus importants au monde. Les acteurs les plus puissants sont autour de la table. Vous, moi, Kazakov, on n'est même pas des pions. On est à côté. Comment vous le savez? Ils nous suivent depuis à peu près une heure. Qu'est-ce qu'on va faire? Les attendre sagement pour faire les présentations. Qu'est-ce qu'on a? Des ennemis potentiels. Peut-être de grande valeur. Vous êtes sûr? Je ne peux pas le confirmer.
laver les mains. Je leur donnerai pas mon fusil. Alors, vous mourrez. Donnez-moi la boîte à cigares et attendez-moi ici. Salam alaikum. Alaikum salam. Mon bord du monde est chez nous, on va l'attendre aujourd'hui. Il vous est reconnaissant d'avoir apporté le reste de son frère. Il va pouvoir l'enterrer dans le rite musulman. Colonel, je crois que vous devriez voir ça. C'est quoi ça? Un groupe de cibles. La reconnaissance faciale est impossible. Ils sont masqués, mais nos gars en bas nous ont garanti que Gazakov était dans cette région. Comment je peux être sûr que c'est pas un berger qui fait paître son troupeau? Aux dernières nouvelles, un simple berger n'avait pas besoin d'un fusil d'assaut automatique, monsieur. Il dit que c'était la volonté de Dieu qu'il ait pu échapper à l'attaque du drone. Demandez-lui qui lui a fourni les coordonnées des snipers. Il dit que c'était un don de Dieu. Il dit que c'est pas lui qui a tué les infidèles, mais la main de Dieu. Je sais qu'il est mort. Brandon, faites attention. Je ne mens jamais. Jamais. Le drone est armé. Opérationnel à 100%. Albatta. Babachet. Manzurinavash. Nous allons remporter cette guerre. Peut-être pas de mon vivant. Mais pour mes enfants et les enfants de mes enfants, nous gagnerons. Maintenant, allez-vous-en. Je vous tuerai un autre jour. Il n'a pas pu réussir ce tir sans avoir des coordonnées. Demandez-lui qui les lui a transmises. Brandon, ça suffit. Demandez-lui. İnan bedon bala yeterlerce, messe çok. Vous abusez de ma bonté. Éliminez-les. Parliez du plan délirant que vous avez mis au point pour que je puisse vous dire qu'il n'en était pas question. Depuis que je suis arrivé ici, je ne sais pas à qui je peux me fier. Et vous avez discuté tranquillement avec Gazakov? Je ne dirais pas que c'était tranquille. D'accord, alors qu'est-ce que vous avez appris? De Gazakov? Rien. Il m'a seulement dit que Dieu avait guidé sa main. Mais j'ai remarqué un détail intéressant. Un de ces hommes avait un ordinateur tactile qu'il portait en bandoulière. Il n'arrêtait pas de le regarder. Un ordinateur tactile? Avec une liaison satellite. C'est une technologie assez avancée pour un rebelle, vous ne pensez pas? Vous pensez que Gazakov a localisé votre unité en se servant de nos propres drones? C'est ça votre idée? Avec du matériel qu'ils ont acheté sur Amazon? Non. Nous pensons qu'ils dupliquent notre réseau de drones en temps réel. Impossible. Improbable, oui, mais pas impossible. C'est Robin. Oui, monsieur. Il est à côté de moi. C'est pour vous. Restez en ligne, Beckett. Ici Zeus. La ligne est sécurisée? Oui, monsieur. Est-ce que quelqu'un peut m'expliquer à quoi vous jouez? Je ne comprends pas, monsieur. Le sergent Beckett a quitté la base sans autorisation pour rencontrer secrètement Gazakov.
J'étais pas au courant. C'est comme ça que vous dirigez vos hommes, Major? Non, monsieur, sûrement pas. Sergent Arthur Beckett, souhaitez-vous être exclu définitivement des opérations? Vous n'avez qu'à moi à dire. Et je vous envoie croupir derrière un bureau pour les 30 prochaines années. Non, monsieur. Vous prenez des risques, vous savez. Je ne pourrai pas vous couvrir très longtemps. Ils se sont connectés à notre réseau de drones d'une manière ou d'une autre. C'est impossible. Ils n'ont ni les compétences, ni le matériel pour dupliquer notre système. Un identifiant permettant d'accéder à notre réseau peut s'acheter au marché noir. En informatique, rien n'est sûr à 100%. Non, ce que vous suggérez n'est même pas envisageable. Écoutez-moi. Restez sur la mission. Je vais calmer nos renseignements et je ne peux plus entendre parler de cette histoire. Quant à vous, Major. Dirigez votre équipe et ne laissez pas votre équipe vous diriger. Oui, monsieur. Sergent Beckett, je veux que vous retourniez sur la mer Noire avec votre unité. On a une autre opération Archange pour Killian Grün. Et je ne veux pas que cette affaire se termine en boucherie comme la fois précédente. C'est clair, Major. Oui, monsieur. Cette fois, on fera de notre mieux. Bien. Je compte sur vous. Et je retourne travailler. Regardez qui est là! Il retourne dans la partie? Je croyais qu'ils nous avaient plantés. Ils m'ont mis au vert, c'est fini. Où sont Barnes et Angst? Silence radio depuis 9h. Le prochain rendez-vous est à 14h. Montagne, ravin, pleureur. Il faut qu'on les rejoigne. Ils vont se faire tirer comme des lapins. J'ai rien du tout. Le renseignement dit que Gazakov est dans le coin. On veut fournir un support longue distance. Montrez-leur ce que vous savez faire, Suicide. Troupe à 90 secondes. J'ouvre. Le masque est à l'aide de nous. Rijal, il y a un. Il y a un chimère. Il y a un. Il y a un chimère. جاي جورجيان طريق مكسر على الساعة 10. طلع القناص. Coup de feu, les troupes ont un contact. Où est ce putain de tireur? Je le trouve pas. Moi non plus, putain. Trouve-moi une cible. Dégage!
arrivés là. Quoi? Notre réseau GPS a été compromis. Reste avec moi, s'il te plaît, s'il te plaît. Suicide, ici Zeus, enlevez vos vestes, les GPS sont compromis. On se déplace. Beaucoup mieux depuis qu'on a retiré le traceur GPS de nos vestes. Ça nous a sauvé la vie. Vous avez trouvé quoi? C'était un piège, Major. Ils ont clairement piraté notre réseau. Arrêtez avec les drones, Brandon. Je vous assure qu'ils peuvent voir ce qu'on voit. C'est votre problème, Major. Non, c'est notre problème, Robin. Le colonel est un bon ami. Je ne pense pas qu'il apprécierait de lire le rapport que je vais envoyer à Bruxelles concernant vos opérations catastrophiques dans mon pays. Garde à vous. Repos, messieurs. Qu'est-ce qui se passe ici? On a une info. Captant une transmission qui nous disait que Gazakov se terrait dans un village à l'est d'ici. On l'a débusqué pour l'éliminer. Mais c'était un piège. Ils avaient l'opposition exacte en permanence. Notre système GPS a été compromis. Le caporal chef Angst a été blessé. Elle est en route pour l'Allemagne, où elle sera soignée. Et on pense que cette histoire de drone piraté est vraie. Moi aussi, j'ai mes ordres, messieurs. Et on n'a pas beaucoup de temps. Je vérifierai ça. On va répliquer. Et on va frapper fort. Coupez les GPS. C'est clair? Oui, monsieur. Courage, Marines. Lillian Grün est ici pour observer une opération Archange. Détruire Gazakov et ses hommes permettra le maintien des opérations à Gobeleti et dans le sud de la Géorgie. Toutes ces zones ont subi des attaques accrues de l'État islamique contre les ouvriers des gazoducs et des civils. Comme vous le voyez sur ces documents, ce sont des images satellites indiquant que Gazakov et ses hommes sont près de Gobeleti et qu'ils se préparent à donner l'assaut sur cette station demain pour la détruire et éliminer l'ensemble du personnel. Nous estimons qu'il y a entre 40 et 50 combattants ennemis dans la zone de Gobeleti en ce moment. Ils savent que l'arrivée de l'Archange ici est un moyen de nous frapper violemment. Et comme vous le savez, Gazakov et les gens comme lui sont sans pitié. Ils ne font pas la différence entre des cibles militaires et civiles. Et ils sont connus pour frapper des hôtels, des restaurants et des attractions touristiques. Oh mon Dieu. Vos recommandations? Évacuez tout le personnel dont on peut se passer vers vos bureaux à Gobeleti. Interceptez et éliminez les rebelles avant qu'ils n'atteignent notre position. Combien de troupes additionnelles pouvez-vous déployer? Étant donné les délais, pas beaucoup, mais on peut accroître le nombre de drones. Deux unités de plus avant la tombée de la nuit, ça doublerait notre puissance de feu. Et on pourrait les intercepter à Gobeleti avant qu'ils n'arrivent ici. Vous pensez vraiment que c'est une bonne idée? Je pense que c'est la seule solution. Et si Beckett avait raison, qu'ils soient entrés dans notre système, s'ils peuvent voir ce que nous, on voit? Ce n'est pas le cas. Et vous en êtes sûr à 100%? Ce serait dommage qu'on découvre ensuite qu'on en est sûr qu'à 80%. Bonne remarque, Major. C'est pour ça que vous n'utiliserez pas vos GPS. Ok, on sait quel est notre rôle ici et on n'aime pas ça.
On fabrique pas les missions, on se contente de les exécuter. Si vous avez un problème avec ça, gardez-le pour vous. Et notre guidage web, vous l'oubliez aussi? On a demandé leur modification. S'ils ne sont pas encore prêts, on enlève les GPS. Tout le monde en place à 300. Qu'est-ce qui nous dit que les rebelles se dirigent vers Kobeleti? Les drones. Et il y a quoi à Kobeleti? L'administration du gazoduc, une cible secondaire. Et il y a quoi à Batumi? Vous savez ce qu'il y a à Batumi, Artilleur, on y était. Ils frapperont là-bas demain. Exact. On vient d'abandonner la station de pompage principale pour une cible secondaire. S'ils frappent, 900 km de gazoduc seront perdus. Ok. J'ai vu les mouvements rebelles de mes propres yeux et ils se dirigeaient vers Kobeleti. Mais comment les coordonnées ont été transmises? Laissez-moi deviner, par le réseau de drones? Les forces géorgiennes s'apprêtent à engager les forces ennemies. Mais ça veut dire que Kilian Grün et la station de pompage sont vulnérables. C'est une fausse piste. Demain, c'est aujourd'hui. Appelez le colonel. On a perdu notre connexion depuis 15 km.